Wow, nous revoilà dans Soma, les amis! Un endroit lugubre et sombre dans lequel nous sommes arrivés par mégarde. On ne sait pas trop comment. Apparemment, j'ai réveillé des forces inexplicables. Et après, j'ai touché un trou bizarre ici. Un trou visqueux, gluant avec des tentacules. Je ne sais pas pourquoi. Le gars, il a vu la vie. Je mets mon doigt dedans. Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue donc dans Soma. On va s'enhardir de rentrer dans ce conduit d'aération. Afin. Ah non, faut cliquer en fait. Faut pas sauter. Il y a des moments en fait tu cliques, il y a des moments tu sautes. Donc nous sommes à présent dans un conduit d'aération qui a légèrement lagué. Je suis retourné à 60 FPS par seconde, ça fait plaisir. Parce que tout à l'heure j'étais descendu à 30, ce qui est vachement dommage. Mais je suppose qu'il y avait tellement de choses à charger, que le jeu pas optimisé, ou alors que ma config commence à être de la merde, je suppose. Putain, le mec quand il stresse, il y a l'écran qui freeze comme ça là. L'écran fait des trucs bizarres en fait quand il stresse. Ça fait comme le truc de Slenders là. Ça fait des glitches. Oh, je rampe là-dedans pour aller où? Bah je vais aller tout droit moi, tu sais, pour commencer. Ce serait bien d'avoir une petite lampe torche ou un truc du genre. Est-ce que j'en ai une? Une lanterne peut-être? Oh putain c'est sombre. Oh putain c'est sombre. Je vois rien du tout. Donc je vais retourner de l'autre côté. Je vais aller là où je vois un peu. Parce qu'il fait trop sombre, j'arrive pas à avancer quand il fait sombre. On y est. Je sais pas où on va, mais on y est. On n'est pas inquiet. Moi, franchement, je vous dirais, pour tout l'or du monde, je ne rentrerai pas dans un conduit d'aération. Non, mais je suis claustro, en fait. J'aime pas ça. C'est flippant, c'est angoissant. Hello! Hello, je suis Seros. Et je voudrais savoir, c'est quoi tous ces trucs que je vois partout? Hein? Concrètement. C'est un peu bizarre, hein. On va fermer ça, tu sais. Des fois, il y a quelque chose qui a décidé de nous suivre. Ou alors, je viens juste de me tuer parce qu'il faut courir rapidement pour rentrer dedans. Je le saurai tout ou tard. Ne touchez pas à la fuite de gel structurel. Impossible de confirmer son effet sur le Wahoo. Le programme a été signalé à l'IMS. Un truc qui bouge là, bizarrement. Hé, hey, c'est branché notre gluant, regarde. Qu'est-ce que tu fous? Hé, hey, je peux lui parler. Hey, can you hear me? Apparemment, il s'en fout. Pourquoi faire? Oh fuck, j'ai l'impression d'être un monstre en fait. Je viens juste de la tuer. C'est bizarre parce que c'est un robot, mais il parle comme si c'était un humain. Chelou. Elle allait si bien, pourquoi? Bah je sais pas pourquoi, écoute, tu sais, bah... Je suis arrivé ici, j'avais besoin d'utiliser l'ordinateur. Chacun son tour, hein, autant... Alors que je fais quoi là? Séquence de démarrage, S1, S2. Je sais pas quoi ce qu'il faut faire là. Signal radio bloqué, puissance insuffisante. Ok, d'accord, ici c'était un casque. Ça c'est des livres. Je me suis entendu dans mon propre casque. C'est qui est au passage une sensation un peu bizarre. Je sais pas comment c'est arrivé. Et je ne dois pas se toucher le gel structurel. Surtout faire gaffe à ça. Terminal bloqué. Oh là 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 là. Il a eu un écran rouge de la mort lui. Je peux pas sortir par là. Bah, j'ai tué le robot. Est-ce que je peux le rallumer du coup? Excuse-moi robot. On recommence. Oh merde ça marche plus. J'arrive pas à lire en fait, j'arrive pas à zoomer. Critical damage. Est-ce que... Ah, je dois faire un truc avec ça? Ok, d'accord. Ok, d'accord, c'est... Fallait pas faire ça. Ok, on appuie sur le bouton, le premier bouton, on verra ce qui se passe. Ah, ok, d'accord, fallait attendre que ça devienne vert. Wouh! C'était facile! J'adore, je vais être ingénieur. On peut tous être ingénieur dans ces jeux. Et la lumière... fut. Ah... Oh oh... C'est bon ou pas?
C'est bon, on dirait, hein. 3600 tours minute, déverrouillage des portes en ligne. Ok, d'accord. La porte va se déverrouiller. La porte est déverrouillée, non? Je suppose que oui. J'entends un bruit bizarre, non? Ah, attends, on peut parler, mais. What's happening? Hello, is there anyone there? Ouais, je suis hey, là! Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Ah, cigarette. Damn relays. What the fuck? Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, okay, d'accord. Look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Okay. Ok, merci madame, on va aller en haut alors. Je suppose qu'on a que ça à faire. Et j'ai répondu à l'appel, ça me fait un succès. Je suis content. Wouh! Il avait un petit côté Alien Isolation et Dead Space au passage. C'est un petit peu un mélange des deux, vous savez. Au niveau de l'ambiance. Ok, j'ai l'impression que tout va bien, hein. Donc pour l'instant on n'a rien à craindre. Il y a juste des trucs bizarres en fait, un petit peu partout, qui n'ont pas l'air naturel, vous savez. C'est mécanique et en même temps un petit peu organique en fait, donc c'est un peu chelou. Bref, peut-être que les ennemis en fait sont des monstres comment dire, des monstres mécaniques. Wow, ah, nope, stay alive. Putain, le truc qui pétait la gueule quoi, sérieusement. Je me suis fait mal. Moi qui voulais sauter en face. Bah c'est un petit peu râpé, tu vois. Apparemment il y a plein de trucs verts là. Et un truc bleu là. Oh putain. Je suppose que c'est méchant. Donc on va essayer de ne pas s'approcher. Oh c'est moche hein. Et pourtant c'est un robot hein. C'est censé être un pote hein, à la base. On va pas avoir peur du robot. On est des forts, nous. On est balèzes. On n'a pas peur des robots. On va prendre ce truc-là. Et on va l'envoyer là-bas. Wouhou! Ah ah! Oh oh! On va toucher ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand on met son doigt là-dedans? Alors? Ici, passez des trucs bizarres. T'as fait pas mal, je m'en fous. Cours. Oh mon dieu, il me poursuit. Oh mon dieu, il me poursuit. Ah, il en a pris mon bacon. Tu n'auras jamais mon bacon. Ah. Il est où? Oh putain, il redescend. Il redescend à la vitesse de la lumière. Eh, mais je dois faire quoi? J'ai fait une connerie. On va aller là-bas, on va monter. Il y a une autre pièce ici. On va y aller plus tard. Et il m'a perdu de vue, le con. Cette salle, je suis sûr qu'on fait plein de trucs dedans. Mais pour le moment, on va faire comme si on le voyait pas. Il m'a perdu de vue. On peut facilement brain les monstres. C'est cool ça. Oh. J'ai un petit problème, les amis. Chut. Cette salle ne sert à rien. Elle est bloquée de toutes parts. Donc on va essayer de monter à gauche, en fait. Comme je voulais le faire au départ. Mais elle avait l'air tellement invitante, cette pièce. Tais-toi, téléphone, c'est pas le moment. Cette pièce semblait tellement invitante, accueillante, chaleureuse. Il est où?
Je sais pas où il est, on y va. Ah, il est en face. Je l'avais pas vu. Tais-toi, téléphone, je t'ai dit. Pas possible, ça. Ça ouvre la porte, ça ouvre la porte, ça ouvre la porte. Est-ce que la vapeur... Ah, la vapeur fait mal. Oh, MG. La vapeur fait mal. Il y a une valve là-bas. Il y a une valve là-bas. On va se concentrer. Je crois qu'il va me voir. Il va forcément me voir. Tu peux pas ramper, s'il te plaît? Putain, il va me voir. On va essayer. S'il ne me voit pas, s'il arrive à ne pas me voir. Déjà, je suis badass. Voilà. Et on va essayer de monter là-haut pour fermer le truc. Il faut faire attention parce que quand tu stresses, le personnage il meurt. Oh fuck! Allez, monte! Monte! Cours! Putain, saloperie! Déchets de merde! Ah, il a arrêté de me voir! Tourne! Le plus vite! Putain! OMG! C'est bon, il n'y a plus de vapeur. Oh putain. Ferme cette porte. Allez. Fuck you, monster, bastard. Motherfucker. Non mais oh. Sérieusement. Et moi qui me disais, ouais, je stresse pas, c'est juste un robot. Il y a de quoi stresser. Hein. Il a une sale tête, ce robot. Merci pour la lumière, je me disais. Je vois pas grand chose. Comment je fais? Ok. Apparemment, il y a un robot ici qui parle bizarrement encore une fois avec une voix très humaine. Ce qui fait bizarre, hein. C'est chelou, je dirais. Amy. Ok, là, ça, c'est un livre. Oh, il dessine super bien, en fait, le mec a dessiné ça. Franchement, je kiffe. J'aimerais trop savoir dessiner comme ça. Regarde-moi ça, stop. Apparemment, ils habitaient ici pendant un moment, tu vois. Regarde, avec les... Ah, il y a une carte. Alors, je suis dans la Shuttle Station, apparemment, Assembly A. Et apparemment, quand c'est rayé, c'est plus bon. Je suis... Ah non, je suis ici, d'accord, ok. You are here, à Assembly B. Et je dois descendre sur la droite pour aller storage. Comment on fait pour monter, là, en fait? Centrale électrique. Je sors de la centrale électrique. Communication, j'étais aux communications. Pump room, administration. Ok, d'accord. J'ai rien compris, je dis juste ok, comme ça. Par plaisir de dire ok. Oh, regarde, encore un truc gluant, là. Je sais pas pourquoi on peut toucher ça, mais bon, on va toucher avec nos doigts. Un trou visqueux, mettons nos doigts dedans. Allez, titi. Tu comprends pas en fait le principe actif de ce truc. Tu dis, bah pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? Aucune idée. Mais ce que j'entends par contre, c'est qu'il y a des trucs visqueux. Je devrais peut-être pas toucher les trucs aliens comme ça. C'est pas sain. Lockdown. Processus de confinement lancé. Consultez terminal pour plus de détails. Ah, fuck. Modifier. Oh, j'ai pas le mot de passe moi. Attends, qu'est-ce que tu crois là? T'as cru quoi là? T'as cru que j'étais un mec super fort? Alors, il faut que je trouve apparemment le mot de passe quelque part. Ce sera... Je peux pas ouvrir cette porte, forcément. Peut-être que c'est sur les dessins. Explore. On va regarder les dessins à nouveau.
Alors regarde derrière les dessins, tiens. Là, y'a rien. Ah putain, elle a le dessin, on dirait qu'à Toulouse, son truc. Book, sketchbook, Amy. Ok, d'accord. Hey! Hey, Rob! Ah, mais en fait, je pouvais simplement sauter. Hein? T'as pas l'air bien, tu sais? Je sais pas ce qui t'est arrivé, mon pote. Mais c'était pas cool, hein. Ce truc-là est en ligne. En fait, je pouvais aussi faire le tour. Oh, le mec stupide, tu sais. Le mec qui fait des trucs, en fait, qui servent à rien. Bon, c'est pas grave, écoute. Comment ça? Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semkin. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Ouais, je te trouve un peu coincé, en fait, mon pote. Est-ce que... What's wrong with your... everything? You go diving in sewage or something? Ouais, j'ai rompé dans des conduits d'aération un peu chelou, tu sais. Donc, m'en veux pas pour ça, hein. Si j'ai une apparence un peu crasseuse à ton égard. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ce truc? Oh! Oh! Désolé, désolé, désolé! Wow! Wow, 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 wow! I'm really hurt. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. C'est pas un docteur que t'as besoin, c'est un mécanicien, je crois, non? Putain, ouais, mais je... C'est pas la seule chose que j'ai besoin de faire. J'ai pas envie de le tuer, moi. Je suis pas une communication? Ah non, c'est bloqué. Trouver un moyen de remettre le courant ici? Oh non. Oh non. Ne me dis pas que je suis obligé de le tuer pour pouvoir sortir. Oh, good! What are you? Tu vas pas me poursuivre, hein? Hé! Hey, tu me fais pas cette blague, hein? Putain, je m'approche! Tais-toi, téléphone! Chaud, putain. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Y a rien d'intéressant ici. D'accord, je peux rien faire ici. En espérant qu'il est vraiment mort, ce truc. S'il n'est pas mort, je crois que je risque de souffrir énormément. Il risque de me poursuivre et tout, ça va pas être joli. Oh non! Amy, c'est toi! Amy! Oh non! Okay. Non, c'est un mec! He's dead. Ouais, c'est un mec, quoi. Hey, c'est Carl! Hey, le robot se prend pour lui. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Oh! Carl! Et des aliens, putain! Y'a des bébés aliens! Y'a des putains de facehuggers! J'en suis sûr! J'en suis persuadé maintenant! Désormais! Les robots, c'est rien, c'est le cadet de nos soucis. Il y a pire. Oh, on va aller là-bas avant, mais c'est verrouillé en fait, c'est Ross.
Ok, d'accord, je dois rentrer là-dedans. Ah, il y a un truc là-bas que je dois toucher. Il y a un truc visqueux avec des tentacules que je dois toucher. Je peux pas passer. Même mon omnitool ne peut rien faire. Il faut que je remette le courant, c'est ça? Je suis obligé de tuer le robot. Mais le robot se prend pour Carl. Donc, est-ce que c'est pas le robot qui a tué Carl? Et du coup, il imite sa personnalité pour essayer de nous faire croire à des choses, tu sais. Peut pas mettre une combinaison de sécurité, là? Des fois que... Eh, hey, tu sais quoi, ça a l'air d'une très mauvaise idée d'ouvrir ce truc. J'ouvre ou pas? Ça craint, hein? Je sens qu'il va avoir de l'eau. Qui ne t'entend rien? Ok, ok, le jeu n'est pas stupide. Le jeu me dit, mec, tu vois pas qu'il y a de l'eau? Fais attention à ta tête. Ah bah oui, hein, c'est un plafond un peu bas. Epsilon, ok, enjoy your stay. Écoutez, franchement, j'aime bien l'ambiance de ce qui se dégage de ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Il y a certains qui vont dire, ouais, c'est rose, ça fait pas peur, Outlast c'est mieux. Mais franchement, pour l'instant, au niveau scénario, celui-là, il m'intrigue beaucoup plus qu'Outlast. Hein. Il y a rien à dire là-dessus. Écoutez, je vais retourner voir Carl un coup, là. Il y a peut-être un truc sur son badge. 0722. Carl Samken. La production d'énergie stabilisée, nous avons condamné les usines pour faire tourner la centrale. Tous les systèmes superflus ont été désactivés. Si quelqu'un revient un jour, sachez que le régulateur de puissance ne tient qu'à un fil. Si vous actionnez le commutateur, vous ne pourrez sans doute pas faire marche arrière. Solution introuvable. Tout est désactivé en fait. Adam Jane, Citeta, Vidis, Rosie Baker, Carl, Aski. Il y en a pas mal, hein. Ok, je veux bien, et après... Comment je fais pour ouvrir cette porte? Ah ah! Je peux ouvrir cette porte maintenant. Putain! Ça a pris du temps pour pouvoir ouvrir cette porte! Avant que je comprenne quoi que ce soit... Et il fait vachement sombre ici, hein. Ça fait peur, hein. Cette boîte noire est un instrument de précision destiné à observer votre état général. Elle mesure un large éventail de données, de votre température corporelle à votre activité cérébrale. Ces informations sont constamment transmises à l'unité gardienne de Pathos 2, afin que la station vous fournisse l'environnement approprié dans toute situation. Pour des performances optimales, suivez à la lettre l'instruction de l'auto-injecteur, afin de veiller à ce que l'implant soit correctement appliqué. J'ai juste découvert qu'il y avait des boîtes noires. Vachement utile. Bah, ah voilà, on peut voir cette porte en fait. Wouh! Enfin, cette salle! Qu'est-ce qui s'est écrit là? Nous avons surchargé le système. Si vous actionnez le levier, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Ne l'actionnez qu'en dernier recours. Quoi, on doit toucher ça? What? Ça a tout coupé? C'était une source d'énergie en fait, non? Ça marche plus? Il y a des bruits! Oh non, il est monté! Il est où? Il vient par là? Il vient par là! Cache-toi! Il te verra pas si tu caches! Bouge plus! Respire plus! Il m'a pas vu, il sait pas que je suis là. Aucune chance qu'il sache que je sois là. Oh. Oh. Oh,
j'ai cru qu'il savait que j'étais là. Ha 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 ha! Sale tenance de pagodie! Il dit quelque chose, je suis pas sûr de comprendre. Non! Saloperie! Bah tu es là? What the fuck? Il m'a fait quoi concrètement là? J'ai perdu connaissance? Il m'a pas attaqué, j'ai pas juste perdu connaissance? Je sais pas où il est. Et concrètement, je m'en fous un peu. Fuck. 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 Fuck, 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 fuck. Désolé mon pote. Ah mais y'a plus de courant en fait. Il va arrêter de souffrir je pense. Il m'a pas vu l'autre. Ça va toi? Je crois qu'il est mort. Le robot il est mort, par ma faute. Et je peux pas. Je peux toujours pas activer le... Attends, il faut que j'active un truc sur l'ordinateur. Faut que j'utilise l'ordinateur. Oh là 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 là, j'aime pas. Non. C'est stressant, j'ai horrible. C'est bon, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. On va y aller vite. Putain, il revient. Non, il revient pas. Si, il revient. On va viser. On visa. On vise super bien, les mecs, hein. S'il vient par là... Eh non, il rentre dedans ou pas? Oh, il rentre dedans. Comment ça, la farfouille? De quoi tu parles, mon pote? On va l'appeler comment, celui-là? C'est Jean Jude aussi? C'est peut-être Jean Jude aussi, hein? Pas le choix, hein. Oh, bordel. Oh, bordel, il est moche. Où qu'il est laid? Où qu'il est laid? Oh, 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 bye bye, fuckers! En espérant qu'il sait pas ouvrir les portes! Putain, je vois tout flou, c'est horrible! Ça, ça va me permettre... Non, ou pas. Données corrompues, restaurer fichier, oui. Restauration en cours. Et là, t'as le jeu qui s'efface, en fait. Données partiellement récupérées. Decided to leave Amy and Saru and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the hold check. Jonesy, early morning for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys, I'm Peter Strasky, dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. All right, Johnson, you have a safe trip. Hey, hello, Beta? Absalon,
What's up? We could really use direct contact with site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Hello? Peter, was it? Yeah, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. I like to hear. Ok, d'accord, il s'est passé des trucs bizarres. C'est passé la merde, moi je vous dis. Et c'est quoi ces trucs que je touche là depuis le début? C'est trop visqueux avec Nodacule. Pourquoi? Et à chaque fois que je les touche, ça fait t'envoie tout en l'air. Ça a tout saboté. Lésion lumière interrompue, entrée manuelle requise. Epsilon, Theta, 220. Ok. Epsilon ! Connecté. En cours. C'est Theta. Je suis vachement doué en piratage et tout. Hein. What ? Non. Ça a pas l'air d'être top, hein. Oh ! Omicron ! Donnez la mort ! Putain, Omicron fonctionne, mais il donne des infos un peu bizarres, hein. Des infos un peu cheloues, quand même. Lambda. Ah ! Hey, are you there ? I found the dome ceiling. Lambda! Oh, that's better. Ah! Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know. Robots don't feel anything, so... Yeah. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? No! What's going on? Je sais pas. This place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. Ouais. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. Okay. I'll wait for you. Okay, d'accord. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Shit. Ça se remplit dans tous les sens! Wouh! Ça m'a fait peur! Je vais commencer à parler comme si j'étais sous l'eau ou bien. Le mec il va se noyer. Ça va être sympa. What the hell? How is this possible? What? What? This is insane! What? Une combinaison qui apparaît sur toi comme ça? Mec! C'est bizarre, mec, je te dis, moi c'est bizarre. En tout cas, quoi qu'il en soit, les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait énormément plaisir, ça aide énormément, vous pouvez pas imaginer à quel point. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de ce que je pourrais faire dans le futur. Et quant à vous, je vous retrouverai donc dans le prochain épisode.
À bientôt les amis. Bisous.